Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Mon nom est Vincent Dumez. Donc, je vous rappelle que ce webinaire s'inscrit donc dans le contexte de la campagne Art plus Science égale Solidarité, donc une initiative qui est faite en collaboration entre la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et la SAT. L'objectif de cette campagne est d'unir science et art. C'est exactement, vous allez voir le profil de nos deux conférencières du jour. Deux mondes qui ne se parlent pas naturellement, mais qui, dans un contexte de crise, sont plus utiles que jamais. On l'admettra bien. Je vous rappelle que ce projet, en fait, est un projet en trois phases. On est une de ces trois phases. On a eu la première phase qui s'est déjà déroulée où des artistes ont remercié les scientifiques et les cliniciens sur le terrain avec des capsules. Une deuxième phase qui est aujourd'hui où, au final, des scientifiques répondent et donnent de l'information accessible à tous sur la COVID-19 et la crise qu'on vit actuellement. Et puis, une troisième qui, nous l'espérons, se passera lorsque nous serons déconfinés, une conférence immersive qui aura lieu dans le dôme de la SAT, certainement sur le monde des bactéries. Alors justement, hier, nous avons eu Nathalie Granvaux et Christian Baron donc, qui sont venus nous parler de la recherche. Alors hier, on a parlé virus, on a parlé bactéries, on a parlé transmission, on a parlé mutation, immunité, tests, traitement, vaccins, masques et j'en passe. Alors aujourd'hui, on va changer un peu de ton. On va s'intéresser, bien entendu, aux populations vulnérables, aux populations les plus vulnérables aujourd'hui qui se démènent dans cette crise et parallèlement aussi les bienfaits de l'art qui peut nous rendre justement moins vulnérables, en tout cas nous aider à augmenter notre bien-être dans un contexte compliqué pour beaucoup. Je vous invite tout au long de ce webinaire, bien entendu, à poser des questions à nos conférencières. N'hésitez pas, vous pouvez les mettre sur la page Facebook, je vais les voir et je ne pourrai peut-être pas toutes les poser, mais il est sûr que je vais avoir l'occasion d'en poser plusieurs. Alors, sans plus tarder, je vais demander à nos deux conférencières, deux grandes scientifiques et praticiennes aussi, dans le cas notamment de Anne-Sophie, de se présenter. Alors, Isabelle, la parole est à vous. Oui, alors, je suis Isabelle Perrette, je suis professeure au département de psychologie, essentiellement une scientifique, mais qui s'intéresse aux applications, à comment utiliser la musique pour en tirer des bénéfices. Alors, bien sûr, tout le monde sait que la musique fait du bien. La science nous donne beaucoup d'arguments et j'imagine que je vous les servirai suivant les questions que vous allez me poser. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que je suis une experte de la musique et non des arts en général, que malheureusement, il y a très, très peu de recherches sur les arts dits visuels. Et donc, mais j'ai la chance de travailler dans un domaine qui a explosé. Et donc, il y a énormément de données dans ce terrain. Merci beaucoup d'être là, Isabelle. Anne-Sophie. Bonjour, donc moi, je suis Anne-Sophie Thomery-Carrière. Je suis médecin de famille avec une spécialité en médecine des toxicomanies. Dans ma vie pré-pandémie, là, je me dédiais presque exclusivement au travail clinique avec les populations en situation de vulnérabilité. Donc, je travaille comme médecin de famille à la clinique des jeunes de la rue. Je travaille également en VIH à l'URES du CHUM et puis également en médecine des toxicomanies à l'hôpital Notre-Dame puis à la clinique Relais-Métadone. J'essaye aussi de transmettre et d'enseigner cette passion à tous les externes en médecine de l'Université de Montréal à travers un stage obligatoire d'externat que je coordonne. Et pendant la pandémie, j'ai développé des services pour les gens en situation d'itinérance atteints du COVID-19 qui n'auraient pas d'endroit où s'isoler. Donc, il y avait très peu de choses au tout début de la pandémie designées pour ces gens-là qui ont des besoins particuliers. Donc, impossible pour eux de faire de la distanciation sociale, impossible pour eux de retourner chez eux parce qu'ils n'en ont pas de chez eux. Encore plus difficile de prendre un téléphone pour appeler le 811 pour se faire dépister, de prendre une voiture qu'ils n'ont pas pour encore une fois aller se faire dépister. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a créé la nouvelle unité Royal Victoria destinée aux gens COVID positifs en situation d'itinérance. Merci beaucoup d'être avec nous, Anne-Sophie, aujourd'hui et de quitter pendant un moment
le terrain pour vous adresser à nos spectateurs. Alors, l'objectif de la conférence va être beaucoup autour de comment pouvons-nous utiliser la musique et les arts comme refuge positif et socialement, comment ne pas oublier aussi les sans-voix, ceux qui, dans notre société, sont les plus vulnérables. Donc, ça va être, on va tourner autour de ces questions-là. Je commencerai par vous, Isabelle, si ça vous convient, par une question, pour la première question. On voit toute une série d'exemples d'expressions populaires actuellement à travers la crise. On voit des gens qui chantent, des gens qui font du tam-tam, qui applaudissent. Alors, quelle est votre lecture aujourd'hui de ce phénomène et quelle est sa raison d'être finalement et son utilité? Oui, alors là, ça me réjouit. Hein. J'y participe d'ailleurs tous les soirs. On fait du tam-tam sur le balcon et j'aime autant vous dire, ça marche. En 7 minutes, on est tous sur un rail, on s'aime et on se quitte en disant à demain. À demain. Donc, c'est vraiment un support social incroyable. Mais bien sûr, tout le monde n'y a pas accès, quoique. Hein, tout le monde peut taper sur quelque chose, puis tout le monde peut effectivement taper des pieds, danser. Et tous ces bienfaits de la musique, c'est d'être effectivement impliqué, engagé. Ça compte énormément pour tous les bénéfices qui peuvent en découler. Alors, j'aimerais en mentionner un qui est important pour l'instant, on pourra en revenir sur d'autres, c'est qu'il est bien connu que la musique réduit le stress et donc l'hormone de cortisol dans le sang. Il y a d'autres effets comme diminuer la douleur puis se procurer du plaisir. Alors j'aurai sans doute l'occasion de pouvoir élaborer un peu. Merci. Anne-Sophie, aujourd'hui, si le peu qu'on peut encore se promener dans Montréal ou circuler un peu dans Montréal, on est capable de voir qu'il y a des populations qui sont dans la rue, des populations plus vulnérables qui traversent cette crise. Alors la même chose, quelle est votre lecture de cette situation actuellement? Et puis on en profitera juste une fois que vous aurez répondu à cette question pour lancer un petit reportage qui a été fait à Radio-Canada sur vos expériences. Mais les choses étaient déjà pas très faciles pour mes patients là, avant la pandémie. Et puis, on a vraiment senti que l'étau s'est refermé progressivement là, au fur et à mesure. Je peux vous donner en exemple un jeune homme trans là, que je suivais à la clinique des jeunes de la rue, qui avait réussi à sortir de l'itinérance, qui habitait dans une auberge du cœur. Et puis, juste au moment là, où on a déclaré le confinement pour tout le monde, il s'est mis à avoir des symptômes psychotiques, à halluciner, ça a engendré des troubles de comportement. Et finalement, ça a été une fin de séjour dans sa ressource, puis il s'est retrouvé à la rue devant absolument rien. C'est dramatique en soi, mais encore plus quand c'est un temps de COVID-19. Donc, c'est vraiment pas facile pour ces patients-là. J'ai beaucoup de patientes travailleuses du sexe ou des patients dépendants à des substances, les opioïdes ou l'alcool. Et ils nous rapportent que le marché noir est de plus en plus complexe à naviguer. Il y a de moins en moins de substances. Donc, les gens sont obligés de prendre des risques qu'ils ne prenaient pas avant parce qu'ils n'ont pas le luxe de retrouver le mauvais client ou la mauvaise substance en laquelle on ne fait pas confiance. Si les gens refusent, ben, ils s'exposent en fait à des sevrages qui peuvent être excessivement douloureux, voire mortels pour certaines substances là, comme l'alcool. Donc, beaucoup de souffrance dans la rue, beaucoup de difficultés aussi à avoir des places en refuge. On en a entendu parler de la distanciation sociale. Les refuges ont essayé de faire de même. Donc, on a séparé les lits, donc il y avait moins de place pour les gens. Il y a eu une longue période au mois de mars pluvieuse où les gens n'avaient pas d'endroit où dormir. Les choses se rétablissent tranquillement, on se réorganise, mais ça a été très difficile pour les gens là, pendant une longue période et se l'est encore. Donc, on a essayé de mettre un petit bond sur tout ça en créant l'unité Royal Victoria pour les gens atteints du COVID-19. Puis, je pense que dans la petite vidéo qui s'en vient, vous pourrez voir là, l'intérieur de la bête. Merci Anne-Sophie. Alors, David, je te laisse lancer le vidéo. On l'appelle la zone rouge. Passé cette porte, tout est considéré contaminé. Nous sommes dans l'unité réservée aux itinérants montréalais atteints de la COVID-19. Des patients comme André Martelly, qui vit dans un refuge et qui n'aurait pas pu s'isoler 2 semaines. J'ai été bien accueilli, j'ai bien aimé l'ambiance, puis tout ça. Par exemple, pour les chambres, j'ai bien aimé la chambre. Là, un matin, j'ai pris un bon petit déjeuner que j'ai aimé. Vous n'ennuyez pas trop de la maison? Oui.
Marie-Ève Goyer est à l'origine du projet mis sur pied dans ce pavillon abandonné de l'ancien hôpital Royal Victoria. Notre objectif, c'est vraiment d'être le domicile pour des gens qui n'ont pas de domicile. Le personnel ici connaît bien les itinérants. Pour plusieurs patients, le coronavirus s'ajoute à une dépendance aux opioïdes ou à l'alcool. On a cette expertise-là, on a la médication qu'il faut. On se retrouve à être une espèce d'hybride entre un CHSLD avec des soins là, peut-être un peu plus coriaces, mais sans être un hôpital. Ici, pas de soins intensifs. Les cas plus graves sont envoyés à l'hôpital. Jusqu'à maintenant, un itinérant est mort du coronavirus à Montréal. Mercredi, ils étaient 6 patients dans l'unité. Les lieux pourront bientôt en accueillir une centaine. J'espère qu'on ne sera pas utilisé dans les prochaines semaines, mais je le crains. On a une clientèle âgée avec plusieurs problèmes de santé, avec pas beaucoup d'accès aux ressources. Il y a beaucoup de ressources qui sont fermées. Au centre-ville, les 5 centres de jour pour itinérants développés dans l'urgence sont donc bien occupés. Ils nourrissent 2000 personnes quotidiennement. Ça fait 7 ans que je suis dans la rue à Montréal depuis 2013, puis c'est la période la plus difficile pour moi. Comme là, je viens d'aller prendre de l'eau et de quelque chose à manger. Alors ça aussi, ça aide, ça. Je veux dire qu'on peut manger. Et puis on remercie la ville pour tout ce qu'elle fait. En tout cas, comparativement à bien d'autres villes, je pense qu'on peut être fier de Montréal. Pour mieux respecter la règle des 2 mètres, au moins 300 lits ont aussi été fermés dans les refuges de Montréal. On va dire c'est la nuit où il y a le plus de problèmes ici. Ouais. On va dire on n'a pas de place à... Moi, je parlais d'être sans abri, là, on n'a pas de place à se réchauffer, bien ainsi de suite. Alors, la ville a rapidement dû ouvrir de nouveaux dortoirs, comme ici, au marché Bon Secours. Montréal vient aussi de réquisitionner 2 hôtels. Un pour les sans-abri en attente de leurs résultats au test du coronavirus. L'autre pour tous ceux qui se retrouvent à la rue. On doit, comme une petite armée, là, marcher très rapidement ensemble et ouvrir le plus de lits possible pour être capable de les mettre à l'abri, de les sécuriser. C'est ça l'enjeu. Il n'y a pas beaucoup de cas de détectés encore. Pour nous, c'est vraiment gratifiant de dire, je pense qu'on réussit à les isoler. Le défi restera énorme. Montréal compte au moins 3000 itinérants et la crise actuelle risque d'augmenter leur nombre. Malades ou non, il leur faut garder le moral et rester résilients. Parce qu'il y a toujours un peu de soleil à l'heure du coronavirus. Il en va Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal. Alors, quel reportage à la fois difficile et émouvant qui représente bien en fait notre webinaire d'aujourd'hui, hein, comme quoi un monsieur de 80 ans en situation difficile est encore capable de chanter de l'opéra. Quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Justement, peut-être, Isabelle, une question de Tiffany Clos sur ce qui revient, qui enchaîne sur ce thème-là. Donc, dans les longues périodes de stress, peuvent avoir donc des effets traumatiques sur le corps, on sait bien. Quelle forme d'art ou d'expression artistique serait à privilégier pour les alléger ou les soulager? Oui, comme je le mentionnais, je suis experte d'une forme d'art, c'est la musique. Donc, si l'inclinaison est plutôt vers la peinture et la sculpture, ben, c'est une question différente. Mais c'est sûr que l'idéal serait de pouvoir faire de la musique avec quelqu'un d'autre, hein, avec un autre humain. Donc, pas. Mais ça se fait maintenant par Internet. Donc, engagez-vous, soit des amis. Soit un musicien, c'est encore mieux, hein, puisque beaucoup sont sans emploi maintenant. Donc, si en plus on a les moyens, c'est propice. Alors, c'est sûr que l'automédication existe, dans le sens où les gens savent que la musique leur fait du bien. Et suivant dans quelles conditions ils en ont besoin, ils savent que ça peut amplifier les émotions. Alors, en général, on veut amplifier les émotions positives. Et donc, se choisissent des musiques de ce type-là. Mais tout le monde n'a pas l'occasion de pouvoir les choisir. Et donc, quand c'est pour les aînés, je recommande d'utiliser la musique de quand ils avaient 15-30 ans, parce qu'elle ravive les mémoires, parce qu'elle établit un contact avec leur identité et avec le passé.
Effectivement, ouais. J'ai des souvenirs je suis un patient, j'ai été en traitement assez longtemps, puis des fois confiné en traitement, et j'ai des très beaux souvenirs de moments où je m'échappais grâce justement à la musique, et simplement en écoutant de la musique que j'écoutais quand j'étais jeune. Alors ça me parle beaucoup. Anne-Sophie, peut-être comme première question de Robert Lassalle, une question peut-être un peu plus personnelle. Donc Robert se demande si la clinique de soins donc établie dans l'ancien Royal Victoria dans lequel vous travaillez, est-ce qu'elle dispose de tous les équipements essentiels pour soigner les patients qui sont hospitalisés, puis pour protéger les soignants. C'est une question un peu du jour actuellement. Alors je pense que les gens sont préoccupés. Bien, d'entrée de jeu, c'est vraiment touchant comme question. On ressent beaucoup, beaucoup d'amour des gens, les soignants. Puis ça fait un petit bond sur notre cœur de sentir que les gens se préoccupent de si on a tout le matériel nécessaire pour être protégé dans l'exercice de notre travail. Donc oui, on a tout ce qu'il faut. On a tous les EPI, l'équipement de protection individuel. Et puis, pour ce qui est des soins qu'on donne aux patients, l'unité Royal Victoria, c'est considéré comme un milieu de vie. Donc, c'est pour des gens qui n'auraient pas nécessairement des critères d'hospitalisation. Donc, pour vous donner un exemple, on n'a pas d'oxygène qui sort des murs là, comme à l'hôpital, mais on a des médicaments, on a des soins de base, et puis on a tout ce qu'il faut pour venir en aide à des gens qui auraient des enjeux là, de toxicomanie. Donc, on se débrouille bien, puis quand les gens le désirent et que leurs conditions physiques se dégradent, puis qu'ils auraient besoin de soins plus poussé là, qu'on peut retrouver à l'hôpital, mais en ce moment-là, on les transfère en centre hospitalier. Ça nous est arrivé à quelques reprises, puis ça s'est très bien passé. Merci. Alors, Isabelle, une question de Florence Troncy. Donc, je travaille pour la Société pour les arts en milieu de santé. Je constate que le ministère de la Santé ne semble pas vraiment reconnaître l'apport de l'art dans nos établissements de santé comme un élément qui peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé, voire même la guérison. Alors, qu'en pensez-vous, Isabelle? Je connais Florence. bonjour, Florence, si tu écoutes. Mais j'en pense que tu es bien sûr, sauf que dans les conditions actuelles, la SAM, c'est cette société qui amène les musiciens professionnels dans les CHSLD, bien sûr, ne peuvent plus amener ces musiciens-là, et qui était une sorte de leur apporter le concert. Et de nouveau, c'est un aspect très important, la musique, c'est la présence du musicien humain. Ben là, il faut trouver d'autres palliatifs. Et puis, la SAMS a d'ailleurs mis des clips. Il y a les musiciens de la SAMS, qui sont des musiciens éprouvés, professionnels, ont mis au point des petits clips, comme la SAT aussi, hein, la SAT l'a fait aussi, et pour pouvoir les projeter aux bénéficiaires. Mais bon, bien sûr, tout ça dépend de l'accès à ceux qui les prodiguent, ces soins. Moi, je pense toujours que c'est aussi bénéfice pour ceux qui donnent les soins que pour ceux qui sont là et qui sont les soignés, si vous voulez, donc les soignants. Donc, oui, c'est sûr que dans ces milieux-là, il faudra en introduire le plus possible, mais ne fût-ce que la musique au balcon. Je pense que ceux qui peuvent sortir, ils pourraient en bénéficier un peu. Peut-être une petite extension à cette question, Isabelle, si je peux me permettre. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'art-thérapie depuis longtemps. Comme vous le disiez, il y a des données scientifiques qui font la démonstration de son efficacité. Il y a déjà plusieurs expériences qui ont été faites en milieu hospitalier, en CHSLD. Alors pourquoi ce n'est pas plus intégré, je dirais, dans les politiques de santé d'une certaine façon? Est-ce que vous auriez rapidement une explication à ce phénomène? Oui, effectivement. C'est une question que je me pose depuis bien longtemps. D'abord, il faut savoir que les arguments de montrer que c'est vraiment evidence-based, hein, ce que la médecine utilise comme argument, est assez récente. Donc, maintenant, il faut juste que ça arrive aux oreilles des médecins. Je me souviens d'une conférence récente que j'ai donnée aux anesthésistes internationaux, surtout américains, et de leur avoir expliqué que la musique réduisait la douleur et que je ne comprenais pas qu'ils ne l'utilisaient pas plus dans les salles d'opération, lors d'anesthésie, que ce soit chez le dentiste, mais ça, évidemment, ça les préoccupe moins. Ils ont moins un rôle là que dans les centres hospitaliers. Et en fait, ils n'y avaient jamais pensé. Ils y pensaient parfois pour eux, quand ils sont en chirurgie, mais pas pour le patient. Et donc,
ils ont eu juste, et là, évidemment, j'ai cité la littérature qu'ils lisent, hein, comme The Lancet, en leur donnant tous les arguments pour montrer qu'effectivement, la musique pouvait réduire tous les signes de douleur de type réflexe. Et donc, ils ont été impressionnés. J'espère que maintenant, ça va rentrer dans les mœurs un peu plus. Mais c'est notre travail aussi en tant que chercheurs de leur donner, de leur expliquer sur quel type d'arguments scientifiques c'est fondé. Alors justement, Anne-Sophie, une question de Kim Thuy qui est un peu dans ce sens-là. Donc, d'après vous, quelles sont les œuvres artistiques qui animent ou inspirent, réconfortent les scientifiques, les médecins, les personnes sur le terrain dans cette période de crise? Est-ce que vous pouvez nous témoigner un petit peu de ce que vous voyez, de ce que vous entendez de vos collègues et de vous-même, bien entendu? C'est une bonne question. C'est comme une frustration de recevoir une question de Kim Thuy. Je crois que les soignants en ce moment... sont un peu saturés d'écouter les nouvelles. J'ai beaucoup de collègues qui s'effondrent en pleurs en lisant le journal, en lisant ce qui se passe dans les CHSLD. Ce que je vois autour de moi, c'est que les gens ont besoin de s'évader, mais de quelque chose qui est pas, qui demande pas beaucoup de concentration parce qu'on est très, très, très sollicité en ce moment. Donc, les gens écoutent beaucoup de musique, de nouveaux albums. J'ai pas de musicien en tête à vous nommer, mais je pense que les gens vont s'évader beaucoup dans la musique, justement. Puis nos patients aussi, parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire en confinement dans leur chambre individuelle. Pour faire un peu de pouce sur la dernière question, à Notre-Dame, à l'unité d'hospitalisation en médecine des toxicomanies, on intégrait beaucoup, beaucoup d'art dans la rémission de nos patients. Se sevrer, il faut remplacer le vide que la substance, la place que la substance prenait dans notre vie, puis le vide que ça crée quand on retire la substance, puis l'utilisation de cette substance-là. Donc, on avait l'habitude de faire beaucoup d'art, thérapie, de groupes d'activation, de bricolage de toutes formes. Et puis là, bien ça, c'est plus possible maintenant qu'on ne peut plus rassembler des patients dans la même pièce. Et on réalise un peu à retardement comment c'était vital et important et puis comment ça faisait partie de nos armes thérapeutiques pour aider nos patients à sevrer puis ensuite être en rémission là, de leur dépendance. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir réutiliser ces outils cliniques-là qu'on utilisait là, à l'hôpital. Puis en attendant, bien, on utilise la musique là, dans les chambres individuelles. Peut-être Anne-Sophie, juste en prolongation, et vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Comment vous rentrez là de contexte quand même extrêmement difficile? Comment vous vous donnez un peu de marge, si ce n'est pas indiscret? Et là, moi, j'écoute le nouvel album d'Ariane Moffat et de son complice. Là, je ne me souviens pas de son nom, mais c'est il s'appelle Somme, là. Ils sont deux musiciens, Ariane Moffat, puis son complice musical. Et puis, ça a été libéré là, sur l'application audio de Radio-Canada. Puis, ça me fait beaucoup de bien d'écouter ça dans la voiture en allant vers le travail, là, au lieu d'écouter les nouvelles. Des fois, ça change un peu, l'esprit. Puis, c'est québécois. Puis, je trouve ça rafraîchissant. Puis, printanier. Donc, moi, je m'échappe un peu avec Somme de Ariane Moffat. Est-ce que vous avez le temps de consommer un peu des téléséries? Comme beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui? Oui, quand même. On s'évade aussi à travers ça. Je suis démasquée. Exact. Oui. Mais on a écouté du québécois aussi. C'est comme ça que je t'aime. Et puis, on retourne écouter du Breaking Bad, des choses comme ça, là, pour faire des liens avec la toxicomanie aussi. D'accord. Merci. Merci pour ce moment très personnel. Isabelle, donc une question de Mathieu Laplante qui dit bon, est-ce qu'on peut comparer les bienfaits de la musique à ceux du sport? On sait qu'en ce moment on manque tous un peu d'exercice physique. Alors est-ce que c'est comparable? Est-ce que le mécanisme de réduction de stress est le même? Donc si on rentre un peu plus dans le détail de qu'est-ce que ça produit d'écouter de la musique ou de faire de la musique, est-ce que ça peut se comparer à du sport? Ah, mon Dieu, que la question est bonne. C'est brillant. Alors, je remercie cette personne de l'avoir posée. Il y a très peu de recherches, hein, donc ça va plus être une question d'opinion que de science, quoique ça peut s'étudier. Hein. Je pense qu'il y a énormément de parallèles.
Mais dans la population, on accepte beaucoup plus que faire du sport fait du bien à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau bien-être, au niveau mental. Et je ne pense pas qu'on ait rendu au même point pour la musique. Or, je pense qu'il y a toutes les mêmes vertus. Mais il y en a une de plus. Enfin, non, pas de plus, parce qu'il y a tout de même les activités sportives d'équipe, comme le football. C'est l'aspect qui, et ça a été peu étudié, je pense, dans les équipes sportives, mais en tout cas, en musique, ce qu'on montre beaucoup, c'est tout l'aspect prosocial, d'affiliation sociale par la musique. Donc, tous ces aspects où on est beaucoup plus altruiste, on aide l'autre beaucoup plus quand on a fait de la musique avec cette personne-là, quand on a été synchronisé. Merci. Anne-Sophie, retour sur le... Oui, allez-y Isabelle. Il y a une activité qui combine les deux quand même. Vous l'avez trouvée? Non, je vous avoue. La danse. Ah oui, la danse, effectivement. La danse. Alors, la danse, faites-le bien sûr. Et c'est, ouais. J'ai oublié tout au long, en fait, c'est danser, c'est une des activités qui, à mon avis, en coordonnant en plus sur la musique, fait que tout le corps fonctionne en relation aussi avec le cerveau. Le sport, ben, en général, il y a des sports qu'on dit plus complets que d'autres. Disons que la danse en est un. Moi, j'étais un peu déçu parce que je pensais que j'allais pouvoir maigrir simplement en écoutant de la musique, mais non, mais effectivement, en dansant, c'est une vraie solution. Et, je suis pas sûre, mais ça vous fera du bien, disons. Anne-Sophie, donc retour dans votre contexte. Question de Anne-Marie. Qui prend en charge aujourd'hui concrètement les gens de la rue, les toxicomanes non atteints de la COVID-19 pendant cette pandémie? Comment on fait pour protéger ces gens-là ou leur offrir un minimum d'infrastructures? C'est une bonne question parce que ce sont souvent les gens oubliés, hein, ceux qui ne rentrent pas dans des cases, parce qu'on a beaucoup tendance dans notre système de santé à faire des programmes pour les gens atteints d'une schizophrénie, pour les gens atteints du VIH. Et puis quand tu es juste pauvre ou juste dans la rue, des fois, on se retrouve devant rien. Donc, pour les patients en situation d'itinérance, bien, il y a quand même une responsabilité partagée entre le système de santé, mais aussi entre la Ville de Montréal, qui s'est énormément impliquée, qui a analysé des hôtels pour pouvoir loger ces gens-là, qui a fait preuve de créativité, qui a trouvé des arénas, des centres communautaires pour pouvoir mettre des lits d'urgence. Mais je trouve que ça ouvre aussi une réflexion sur le financement qu'on fait aussi de nos organismes communautaires qui tiennent tout ce beau monde-là à bout de bras quand on est hors pandémie et puis qui ont à travailler encore plus fort pendant la pandémie. Pour ce qui est des gens là, qui ont des problèmes de toxicomanie, les cliniques sont encore ouvertes. On fait des admissions de nouveaux patients. On considère que c'est une urgence puis il faut venir en aide à ces gens-là. À l'hôpital Notre-Dame, on fait encore des admissions de patients qui ont besoin d'être hospitalisés pour des enjeux de toxicomanie. Donc, même si tout est un peu au ralenti, là, on commence quand même à reprendre le dessus, puis on n'a pas du tout arrêté les services, là, au contraire. Merci. Isabelle, question de Mireille Camier. Comment, on revient sur cette question de l'impact de la musique, comment peut-on analyser de façon scientifique donc les effets de l'art, de la musique en particulier, sur le cerveau? Est-ce qu'il existe donc des types de musique ou de rythmes qui sont plus propices à nous aider psychologiquement dans des épreuves comme celles à travers lesquelles on passe actuellement? Je vais passer sur la première question parce que ça va me prendre tout un cours au moins. Je donne cours là-dessus, c'est comment effectivement on fait des études scientifiques. Maintenant, est-ce qu'il y a des rythmes particuliers qui sont propices? Ben, c'est assez évident, hein? Je veux dire, et la recherche n'a fait qu'aller dans le sens de nos intuitions, c'est que si vous prenez des rythmes lents versus rapides, vous voyez très bien les effets que ça peut vous faire sur votre humeur et votre bien-être, quoique les deux procurent du bien-être, mais suivant ce que vous recherchez, si c'est un effet apaisant ou stimulant. Alors, c'est assez évident, plutôt lent. Et Spotify a relaté les résultats
des choix de musique qui étaient faits durant le confinement, dans les 3 premières semaines. Et effectivement, ce qui ressort, c'est que les gens écoutent beaucoup plus la musique, disons, à un rythme lent que d'habitude. Et évidemment, la musique de danse aussi, et celle-là est beaucoup plus rapide. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Une question qui aurait pu aussi être adressée à nos invités d'hier, Anne-Sophie, par rapport à l'avenir de notre société, enfin l'avenir proche, est-ce que, donc une question d'Adrien Filzac, qui demande, est-ce qu'il faudra envisager pour le futur une société à 2 vitesses, avec des restrictions spécifiques pour les publics à haut risque? J'ai des collègues autour de moi qui sont immunodépressés et donc c'est des questions qui se posent. Est-ce qu'on va se retrouver dans quelques semaines, quelques mois avec des gens déconfinés puis des gens confinés? Alors comment vous envisagez cette situation-là? C'est une bonne question, puis je pense que c'est une question de santé publique, puis on a généralement l'habitude de voir la santé publique comme un tout, puis comme quelque chose de collectif, puis c'est impossible d'avoir des vases clos, hein. Tout est un vase communicant. Et puis, on parle aussi beaucoup là, de l'immunité acquise, puis de l'immunité collective, en fait, pardon. Et puis, c'est ce qui peut protéger certaines personnes, parfois, du fait qu'on a une immunité collective dans la société. Donc, il n'y a rien, je crois, qui peut être réfléchi individuellement. Et puis, toutes les décisions qu'on prend ont de l'impact sur d'autres personnes dans notre société. Donc, on se dit qu'on veut un retour progressif à l'école, que nos enfants ne font pas des maladies très, très graves et puis qu'ils vont pouvoir acquérir une immunité avant les vacances scolaires puis le retour en septembre. Mais il faut analyser que ces enfants-là ont des parents qui ont des travails, qui sont en contact avec d'autres personnes. Donc, je pense que ça va être difficile d'analyser les choses uniquement pour une population puis se dire qu'eux ne sont pas en interaction avec personne d'autre dans la société, mais je pense que c'est excessivement important de penser aux gens immunosupprimés qui souvent sont ceux qui payent le coût des décisions collectives. Donc, c'est ça, c'est le maillon le plus faible de notre société là, qui en pâtit de nos décisions collectives. Alors, justement, Anne-Sophie, peut-être on parlait d'immunité, peut-être revenons sur cette question. Est-ce que la musique a un effet sur l'immunité? Est-ce que le fait d'écouter la musique ou de pratiquer des arts, est-ce qu'il y a des démonstrations scientifiques que ça a un effet pour avoir une meilleure immunité, on va dire? Mais moi, j'ai envie de dire oui, mais je vais laisser Isabelle. On a tous envie de dire oui et je pense qu'on le prend tous pour acquis. Mais en fait, il y a peu d'études, mais quand il y a des études, elles sont positives, bien sûr. Parce que c'est tout de même une question complexe, hein, c'est d'identifier une immunité à quoi, quel type d'hormones mesurer, et puis elles ne passent pas toutes, on ne prend pas des prises de sang comme ça avec des volontaires qui chantent dans une chorale du jour au lendemain. Hein. Alors, c'est un peu ça l'état des choses. Alors, je pense qu'on en est convaincu, mais ce serait indirect, je pense. C'est vraiment par le fait que ça nous apporte du bien-être. Alors peut-être en enchaînant, c'est une question que je me pose moi-même. Anne-Sophie, c'est bon, là, il y a beaucoup de... Donc, il y a eu les capsules de la SAT, donc des artistes qui sont adressés directement aux cliniciens, aux professionnels de la santé. Il y a ces démonstrations populaires dans les rues à certains moments. Il y a des artistes, d'autres artistes qui se mobilisent de différentes façons. Il y a beaucoup de reconnaissance qui est donnée par le monde artistique aux cliniciens actuellement, aux gens qui sont sur le terrain. Comment vous recevez ça? Comment c'est reçu, vous recevez ça? Puis comment c'est reçu par vos collègues aussi? Est-ce que vous le sentez déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien ou est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez? Puis comment c'est perçu? Oui, bien, je pense qu'il a été perçu très positivement. Les gens étaient très contents de ressentir le support de la société, là, incluant les artistes. Puis notre souhait le plus cher, c'est que tout le monde reste à la maison. Puis il y avait ce slogan, rester à la maison pour nous permettre de faire notre travail puis de ne pas engorger le système de santé parce que nous, on n'a pas le luxe de rester à la maison. Puis ce nous-là, ce n'est pas juste des médecins, ce n'est pas juste des infirmières, c'est des préposés aux bénéficiaires, c'est des gens à l'entretien. C'est la personne qui est au stationnement de l'hôpital. Tu sais, c'est une grosse machine, l'hôpital, puis il y a beaucoup de gens souvent qui ne sont pas nommés dans les remerciements.
Donc oui, je pense qu'au début, les gens étaient très touchés. Il y a eu des ribambelles de camions de police qui sont venus klaxonner pour encourager les gens à l'hôpital. Mais à un certain moment, les gens, ils veulent avoir les moyens de leurs ambitions, puis pas juste des encouragements, puis ils veulent des conditions de travail qui ont du sens, puis des conditions de travail sécuritaires, puis ils sont pas prêts à laisser leur santé ou laisser la santé de leur famille de côté pour venir en aide à la société québécoise. Puis ça, je trouve que c'est tout à fait compréhensible. Puis je pense que ce que les gens veulent en ce moment, c'est de l'aide, du support, du matériel, d'équipement de protection individuel, au-delà des encouragements, même si c'est nécessaire de ressentir toute cette solidarité-là. Alors justement, Isabelle, comment, une question de Claire Martin qui va dans ce sens-là aussi, comment les artistes, d'après vous, se réinventent leurs pratiques actuellement? Qu'est-ce que vous pouvez observer pour rejoindre le public en temps de confinement? On a vu plusieurs adaptations. Alors comment vous voyez ça? Comment c'est en train de changer les choses? En fait, je suis bien curieuse de savoir comment ça va évoluer, parce que je pense que c'est une très, très grosse question et qui remet en question, en fait, quelque chose qui était déjà là. Hein. Mm-hmm. C'est remplir les salles de concerts par des gens plus jeunes, par exemple. Alors, quel type de musique? Bon, je pense que c'est une phase où les musiciens sont effectivement... Ils font des choses merveilleuses. Hein. Je veux dire, moi, j'adore l'opéra et j'ai une chance folle. Il y a le maître qui retransmet... les opéras gratuitement, l'Opéra de Paris aussi. C'est extraordinaire, je veux dire, d'être confiné pour pouvoir profiter de... Mais ce n'est pas la même chose que d'être dans la salle. Ce n'est pas la même chose que d'être dans... De vivre, effectivement, l'expérience musicale. Alors, moi, j'aimerais penser qu'une des conséquences va être de rendre ça un peu plus citoyen. Donc, d'amener les musiciens à guider un peu plus les citoyens et la musique de rue, si vous voulez, ou... comme disait mon collègue Michel Duchesneau, j'adore le terme, c'est la musique tribale que tu fais. Ben oui. Donc, j'aimerais qu'il y ait un petit retour à ça, oui. Que tout le monde puisse faire, qu'il n'y ait pas besoin de savoir lire la musique, ou participer, comme on faisait dans le temps, quand il n'y avait pas ces moyens-là, et que les musiciens nous servent de guide. Ça, c'est une façon de le voir. Mais évidemment, il y a autant de façons de créer que de faire la musique. Peut-être dans la même optique, moi j'ai vécu l'épidémie VIH dans les années fin des années 80, Anne-Sophie, et j'étais assez actif pendant cette période-là. Puis ce que j'ai constaté surtout après, c'est qu'il y avait beaucoup de pratiques qui ont changé à cause de l'épidémie VIH. Donc dans ce qu'on est en train de vivre actuellement, il va y avoir aussi des changements importants, on imagine, qui vont se passer. Quel type de changement de pratique vous envisagez, vous pouvez prévoir aujourd'hui, ou peut-être même que vous souhaiteriez, hein, on parlait des changements de pratique chez les artistes, mais quels seraient les changements de pratique qu'on pourrait anticiper, encore une fois, qu'on aimerait voir éventuellement dans le milieu de la santé dans les prochaines années, provoquées par cette crise, par la remise en question provoquée par cette crise? Vous êtes sur mute, Anne-Sophie. Je suis désolée. Premièrement, en plus, je vous avais dit que je suis une millennial, je ne ferai pas cette erreur-là. Et voilà, ça y est, j'ai mal géré mon mute. Mais non, mais je pense que premièrement, il va falloir qu'on apprenne à désapprendre à avoir peur. Je pense que ça va avoir eu beaucoup d'impact sur des patients très, très anxieux. Il y avait un article récemment, je crois, dans Le Devoir qui disait il y a des patients qui voient des virus partout dans les cracks du trottoir. Donc, il va falloir qu'on réapprenne à trouver ça agréable d'être ensemble, puis de retrouver un sentiment de collectivité qui fait plaisir. Il y a des patients qui refusent de faire des groupes de thérapie à cause de ça, puis probablement qu'ils vont encore refuser de le faire alors que ça leur serait très bénéfique. Dans les changements de pratique que cela pourrait apporter, bien moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de communication puis plus d'interaction entre le milieu médical puis le milieu communautaire. Souvent, nous, on voit 5 minutes, 10 minutes le patient dans notre bureau, puis on n'a pas conscience après de ce qui se passe avec cette personne-là quand elle se retrouve dans la rue, dans un refuge, dans un organisme communautaire. Puis en ce moment, c'est indéniable, on n'a pas le choix de travailler avec ces gens-là pour être sûr d'avoir des corridors de services ou des soins dans un continuum qui fait sens. J'aimerais que ça demeure après la pandémie, là, ce serait mon souhait le plus cher.
D'accord. Bah, j'espère que des gens, des décideurs écoutent. Peut-être une question que je vais vous poser à toutes les deux, en commençant par Isabelle, de Alain Salvagnac. Êtes-vous pour ou contre actuellement la question du déconfinement? Alors, Isabelle. Oh mon Dieu! Et si oui ou non, alors, pourquoi? Est-ce que ça vous effraie? Est-ce que vous avez hâte? Je me pose la question d'abord. Je me pose la question. C'est évident qu'il faut le faire. Hein? On ne peut pas rester enfermé pendant 1 an, 2 ans, le temps que ça prendra d'avoir un vaccin ou les traitements qui vont diminuer cette peur. J'aimerais juste revenir sur le point de la peur. Je pense que Anne-Sophie a bien raison. C'est bien plus facile de faire peur que de l'enlever par la suite. Et ça va prendre beaucoup de temps. Puis là, on aura besoin des psychiatres, hein, et des psychologues, parce que c'est bien long. Alors là, moi, ces jours-ci, je voyais parler de on s'est à peine adapté à pouvoir prendre toutes les mesures et à se sentir qu'on peut se concentrer maintenant tout en étant en confinement, qu'on doit envisager de comment on va gérer notre risque. Donc, je me pose cette question, c'est comment je vais gérer ce risque. J'ai la chance de ne pas devoir gérer ce risque pour une personne à très haut risque à mes côtés. Bien sûr, il y a toute la partie de responsabilité qui va compter. J'espère que tout le monde va un peu évaluer ça ensemble, mais ça dépendra beaucoup des milieux. Puis, on va avoir besoin de psychologues, mais on va aussi beaucoup avoir besoin des artistes pour nous reconstruire derrière. Le rôle des artistes dans le déconfinement et dans notre reconstruction va être essentiel. Alors, Anne-Sophie, le déconfinement. Oui, j'ai envie de vous dire que je ne vais pas vous donner mon opinion parce que je trouve que ce qui est important dans une décision de cette ampleur-là en santé publique, c'est qu'il y ait un message clair, unique, est excessivement bien vulgarisé, puis que les gens se rangent derrière ce message-là parce qu'ils font confiance aux gens qu'ils communiquent, puis parce qu'ils comprennent ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, puis quand on va le faire, puis que c'est un mouvement qu'on fasse tout le monde ensemble, collectivement. Au tout début, là, on se souvient, les gens trouvaient ça excessivement rassurant qu'on ait 3 leaders forts qui parlent d'une même voix, qui nous expliquent les choses, qu'on a un point de rendez-vous à 1 h de l'après-midi, à tous les jours, tout le monde ensemble. Puis c'est beaucoup ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux ou dans les médias, que les gens disaient « c'est rassurant, on sait où est-ce qu'on s'en va ». Et là, je crois qu'on a besoin de la même chose pour le déconfinement. Mais je pense que les gens ont besoin d'être tenus au courant puis de comprendre comment on va faire les choses et pourquoi. Mais moi, j'ai confiance en notre équipe là, de santé publique. Donc, je m'en remets à eux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, écoutez, j'aimerais, en guise de conclusion, remercier nos deux conférencières pour la générosité de leurs questions et leur spontanéité. Je pense que ça a été intéressant pour tout le monde. Je noterai un peu en mot de synthèse que finalement, qu'on soit au niveau des cliniciens actuellement ou qu'on soit au niveau des artistes, on est dans un mode d'adaptation. On est dans un mode d'adaptation à vitesse grand V de la crise. C'est les pratiques, les façons de faire qui sont en train de changer de façon dramatique et qui aujourd'hui le font dans un contexte difficile, mais sont certainement riches en apprentissage pour le futur. Hein. Encore une fois, c'est ce que ces grandes crises amènent. Alors, on va voir comment à la fois le monde de la clinique et le monde le monde artistique va se réinventer d'une certaine façon à travers la difficulté de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Alors peut-être, je vous laisserai peut-être chacune d'entre vous, en commençant par Isabelle, une petite phrase de fin pour nos spectateurs. Mais en fait, je voudrais vous remercier. Je trouve que vous avez piloté ça d'une main de maître. Ce sera mon mot de la fin. C'est gentil, merci. Anne-Sophie? Je suis tout à fait d'accord avec Isabelle. Puis, en mot de la fin, je dirais que la pandémie, ça a été une loupe géante sur la réalité de nos populations les plus vulnérables, autant celles dans la rue que celles dans les CHSLD. Et puis, j'espère qu'on continuera à voir clair dans tout ça après la pandémie, mais surtout à prendre des actions concrètes pour résoudre les problèmes qu'on a vus là de plein fouet à travers cette loupe géante. Alors, tout à fait. Moi, je pense que le changement est en marche, le changement est profond. On va mettre du temps avant de le décrypter, mais
On s'en va vers des évolutions. Cette situation complexe va nous amener vers, je l'espère, je suis un éternel optimiste, vers une situation de changement propice à la fois pour l'individu, les sociétés, puis éventuellement pour l'humanité. Alors, c'est ce qu'on souhaite tous ensemble. J'aimerais, dans le cadre des remerciements aussi, vous rappeler que ces deux conférences ont été rendues possibles par les moyens techniques et les équipes de recherche de la SAT, dont l'une des spécialités est la téléprésence. Je tiens à noter que j'étais aussi ravi de pouvoir participer, animer ces deux sessions, parce que je pilote un programme, c'est le partenariat patient, et comme on a pu le voir, le partenariat avec les patients et les citoyens dans un moment de crise est quelque chose de très important. Et quelque chose de critique, en fait. C'est une question de dignité. Je rappelle aussi que la plateforme qui est utilisée ici pour les conférences a été développée en à peine 2 semaines. Donc, c'est une performance exceptionnelle des équipes techniques de la SAT. Je vous invite d'ailleurs à continuer à suivre la page Facebook de la SAT pour connaître les prochains événements. On a vu qu'il y a beaucoup de choses très innovantes qui sont générées par la SAT actuellement. Remercier bien entendu le réseau de la santé, les cliniciens, les chercheurs, les enseignants, enfin tous ceux qui contribuent actuellement, qui sont sur le terrain à contribuer à la gestion de cette crise. J'aimerais remercier ma faculté de médecine, notre doyenne Hélène Boisjoli et le bureau de la doyenne Anne-Marie Labrec qui ont soutenu et participé activement à cette organisation. Bien entendu les équipes de la SAT, sa présidente que j'aime beaucoup, Monique Savoie, et le quartier des spectacles, sans oublier Cédric Lalaison qui a orchestré de main de maître, alors là c'est le cas de le dire, ces deux webinaires qui étaient même là en train de m'accompagner à piloter les questions à poser à nos invités. Alors merci Cédric, tu es l'éminence grise de cet événement, et puis bien entendu David en régie qui a aussi très minutieusement préparé l'ensemble de la régie pour faire en sorte que tout ça se passe sans anicroche. Petit dernier clin d'œil aussi au quartier des spectacles qui est partenaire dans cette initiative. Vous allez voir des photos arc-en-ciel qui vont être un peu placées à certains endroits dans la ville avec la petite phrase, et je vous laisserai là-dessus, qui est un peu le slogan de cette crise, « Ça va bien aller ». Alors, David, ça va bien aller, et lançons la dernière vidéo avec nos amis artistes. Merci à tous et à bientôt. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux ont besoin d'une tape dans le dos. Je le fais virtuellement, puis je me mets du Purel avant. Merci. Tous les chercheurs, les médecins, les préposés, le personnel infirmier, ceux qui travaillent et qui sont nos super-héros aujourd'hui dans ce cas de pandémie, on venait tous avec vous et on vous remercie et on vous envoie du courage, de l'humanité et de la musique. Merci infini. Gardez les lumières allumées. Sans vos sorrows et le travail qui vient avec, peut-être que la robe de chambre n'aurait pas été inventée parce qu'on n'aurait jamais atteint ce niveau de confort. Merci infiniment d'avoir toujours veillé sur nous et de continuer encore à veiller sur nous. Merci. Salut, c'est Jean-Michel Richer, chanteur d'opéra. Merci beaucoup de votre aide. On vous souhaite bonne chance, vous allez l'avoir, on compte sur vous. Vincenzo, Vincenzo. Imagine all the people. Oups, je croyais que j'étais dans l'autre vidéo avec les vedettes américaines. Un petit mot pour remercier les chercheurs qui cherchent sans arrêt, le personnel médical, les médecins, les infirmiers, les infirmières qui travaillent d'arrache-pied. Merci pour votre dévotion, votre compassion, votre générosité. On s'en rappellera longtemps. Merci beaucoup d'être là. Et hello from the other side! C'est tout le temps bon, une vidéo de vedette qui chante! Merci beaucoup à tous les scientifiques, les intervenants et l'ensemble du personnel soignant.
faites un travail essentiel et on sait que ça doit vraiment pas être facile en ce moment. Mais s'il vous plaît, tenez bon et sachez que on pense à vous depuis nos ondes d'isolement et je vous envoie mes meilleures ondes. Bonjour, ici Zach Wazi. Je voudrais passer une grosse dédicace aux chercheurs et personnels de santé dans tous les hôpitaux. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour les personnes touchées par ce virus. Bon courage et merci encore. Les autres, s'il vous plaît, restez chez vous. Peace. Hommage, Andy Logo. Merci à tous les pros, fesses, Lionel, de la santé, T2, nous garde et en vie. Merci à tous les professionnels de la santé de nous garder en vie. Merci beaucoup, ma sœur pharmacienne, de travailler pour nous, tout le personnel de la santé et les chercheurs, de travailler fort. Vous êtes incroyables. Merci pour ça. Chance I'd ask a woman to dance and not be dancing with myself. Je voulais vous dire merci pour tout ce que vous faites. Genre, lui, c'est Guilin, il touche sur du monde qui attrape le virus. Vous autres, vous arrivez, vous prenez le virus, vous vous battez, puis cette personne-là, après ça, est correcte. C'est ça, vous faites. Mais en plus hot. Merci. 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 Je vais prendre un instant pour être sérieux et remercier les scientifiques, les intervenants et tout le personnel soignant du Québec pour le travail que vous faites. Merci. Merci, merci. Moi aussi, je me joins à la SAT pour apporter tout mon soutien au corps médical et vous dire un grand merci pour tout le travail que vous accomplissez en cette période. Et soyons unis et solidaires. Ça, c'est moi, Yann Perrault, avec ma famille, il y a 2 semaines, dans l'ancien temps, au Mexique. Aujourd'hui, ben, on est à Montréal, on est confinés, on est isolés, et on vous regarde aller. Puis on a envie de vous dire un gros merci. Lâchez pas, ça va bien aller. Merci. Message collectif de la part de la Maison des sciences de l'homme Lyon-Saint-Étienne. On est en confinement comme vous. On est hyper déçus. Parce qu'avec le projet Bretèze, on devait participer au festival Hors les murs de l'IRCAM. D'ici là, on envoie plein d'encouragements à tous les chercheurs et le personnel soignant à Montréal et dans le monde entier pour vaincre ce coronavirus. Et on vous dit à très bientôt à Montréal. Bonjour à vous tous, je m'appelle Maud Sabourin, je danse pour les Grands Ballets canadiens de Montréal. Je voulais vous adresser un petit message à vous, tous ceux qui travaillent dans les soins de la santé. Merci de vous lever au quotidien et puis de vous assurer de notre sécurité et d'attaquer cette bataille de front comme vous le faites à tous les jours. Merci, on vous en sera éternellement reconnaissant. Ça va bien aller. Aux gens de la santé et des services essentiels qui restent de garde pendant qu'on pratique l'isolation sociale, voici un espoir. Nous avons atteint, en quelques jours seulement, les plus ambitieux objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour lesquels nous étions dans la rue en septembre dernier. Pendant que vous prenez soin de nous, imaginons un monde en équilibre, où chaque action humaine est généreuse pour l'ensemble du vivant. Votre générosité, votre courage nous montre la voie à suivre. Merci. Merci pour tout.
Merci de nous rappeler que l'être humain est à son plus beau quand il prend soin de l'autre. J'espère qu'on va prendre soin de vous autant que vous le faites pour nous. Merci. Une petite pensée de France et tout mon soutien envers le personnel soignant, les chercheurs, les médecins, ainsi que tous ceux qui s'impliquent au quotidien pour préserver la vie des gens. Merci et encore bravo. J'ai réuni tout le monde que je côtoie pendant mon confinement pour qu'on vous dise tout le monde ensemble merci d'être là. La poésie est une science exacte, un outil de précision qui permet parfois de mettre le doigt sur le bobo, mais aussi de remercier ceux qui mettent l'épaule à la roue, qui mettent la main à la pâte, ceux qui vont trouver l'antidote, la solution pour nous sortir de ce marasme sanitaire, économique. Ma foi, quelle crise nous attend si vous n'êtes pas là. Alors merci. Bonjour, bonsoir à vous tous, à vous toutes. Juste vous dire merci, puis bravo. Moi, j'ai calé mon initiation aux sciences expérimentales en secondaire 2. J'ai été dispensé de chimie, de physique, de bio. Alors, une chance que vous êtes là. Mille merci, mille bravo et que la vie soit douce quand même. Vous êtes les meilleurs. Merci. Merci beaucoup pour les infirmières et tous ceux qui travaillent dans le milieu de la santé. Je m'appelle Marie-Pierre Labelle, je suis pianiste et je vous interprète la fin d'un petit Chopin. Bonjour, nous tenons à vous remercier pour le travail que vous faites actuellement. On tient à vous dire merci. On est vraiment avec vous. Bon courage. Gardez le moral. Merci.